Alors, donc, c'est simple, hein? Ouais. Nom, prénom à l'état civil, Kader. L'état civil, c'est Abdul Kader Keïta. Mm-hmm. Voilà, 6 août 2001. Mm. Attends, attends, attends. Ah, 2001! Non, donc, Kader, tu n'as pas. Bon, tout le monde connaît Popito, la Popizine. Est-ce que tu as un autre petit nom? Popi. Popi aussi. Mais pourquoi tu t'appelles Popito, en fait? Popito, c'est que j'étais un peu gâté à Gagnois avec elle n'est plus de ce monde déjà. Uh-huh. C'était pas ma maman, c'était ma maman. La deuxième maman. Qui nous a malheureusement quitté. Donc à chaque fois, il pleurait devant. Il me dit ah, maman, Popito. Non. Donc quand Popito passe au café, un truc comme ça. Donc quand j'entends ça directement, je suis ma mère. Des trucs là, c'est ça, trop chou. J'ai pu manger au moins 15 comme non. ça. Non, wow. Oui. Ah ouais, ça. Non, vraiment. Toi, ton histoire de Popito là. Voilà, carré, ça. Là. Non, Popito, carré, bon, chacun essaie de. J'adore. Ah. Alors, donc, date et lieu de naissance. Le 6 août. 6 août, ouais. Pas 2001. T'as dit encore. Et voilà. Et 81 à Gagnois. Ouais. En 1981. En 1980. Ouais. Ouais. Tu as failli être mon petit frère. Failli. De peu. De 6 mois, tu allais être mon frère. Il y a un truc qui s'est passé en 2001. Hein? Il va nous dire. Tu vas nous dire 2001, là. En ça 2001, t'a trop marqué. Là, il y a un truc qui s'est passé. Parce que tu es resté bloqué sur 2001. Non, là, non. Enfin. 2001, rien. Dodo, tu as dit. Lieu de naissance, tu as dit. Gagnois. Donc, nationalité ivoirienne. Ethnie. Djula Bété. Voilà. Il a dit voilà. Voilà. Il a tout pris. Village. Krakbalidi, Gagnois, voilà. Ouais, Krakbalidi, c'est pas loin de. C'est loin. Mais c'est dans le même coin. Ok. Ouais. Est-ce que tu connais ton poids et ta taille? Oui. 1m83. Mm-hmm. C'est presque ma taille. Maintenant, bon, on a arrêté de jouer. 83 kilos. 83 kilos. Tu dis ça parce que tu penses que tu as grossi, c'est ça? Ouais, je sais un peu. Parce que quand je jouais, c'était 77. Ah, 78. Bon, on a vu Pim, ça va. Franchement, ça va. Non, il a bien conservé. Ouais. Ça va. Son lieu d'habitation? Engrais 8e tranche. Il y a le choco de Engrais 8e tranche. Chic. On était à Gagnon ensemble. Engrais 8e tranche. Voilà, au calme. Popito, au niveau scolaire. Oh, niveau scolaire, bon, sincèrement, à cause du foot, voilà. On n'est pas arrivé loin à l'école. Sincèrement, à cause du foot. Voilà, l'école primaire, l'école marché à Gagnois, tout ça. Mm-hmm. Voilà, j'ai décidé de passer à autre chose parce que bah, c'était tellement compliqué. Mm-hmm. Voilà. Tu avais besoin de te concentrer que sur une chose et voilà. C'était le foot. C'est le foot. Faites pas ça chez vous, les enfants. Voilà. Allez, faites ça un peu, mais pas trop. Voilà, merci. Voilà, pas trop. Jouez au foot, mais partez à l'école. C'est clair. Religion. C'est clair. Religion, quoi? Religion. Waouh! Ah ouais? Là, tu es musulman, là, tu es mélangé. Je me fais choisir. Il y a chrétien, il y a musulman. Donc toi, tu es un croyant. Maman est bêtée, papa est musulman. Ouais. Tu fais les deux. Tu n'as pas fait ton choix? Tant que. Ouais, j'ai pas fait mon choix. Mais tant que. Voilà. Tant que tu peux prier Dieu. Voilà. Mais d'abord, c'est le papa d'abord, quoi. Musulman. Ouais. D'accord. Voilà. Situation matrimoniale? Ça va. Attends, on a parlé à madame, mais est-ce que tu es mariée légalement? Non, je ne suis pas mariée légalement. Mais ça va. Parce que ta chérie, il y a longtemps que vous êtes ensemble. Oui, il y a longtemps qu'on est ensemble. Ouais. Profession des parents, Popito? Mes parents, je commence à parler de vieux déjà. Mm-hmm. Et j'étais secrétaire général, j'étais dans le faux d'abord. Mm-hmm. Non. Et il travaille à la justice. D'accord. L'amour du foot, puis il a décidé d'aller dans le foot. Okay. Secrétaire, après secrétaire, président. Et, puis, voilà. Et la présence de papa dans le foot, est-ce que c'est une des raisons qui t'a poussé là-dedans? Non, parce que à chaque fois, à chaque fois à la maison, je voyais un peu les joueurs un peu défiler, mm-hmm. tout ça. Mm-hmm. Puis, voilà. Et
Je n'étais pas forcément concentré sur ça, mais Dieu a fait que dans, dans la famille, forcément, il y a quelqu'un qui devait. Voilà. Est-ce que le fait que ton père soit dans le foot, ça a facilité justement ta transition? Non, parce qu'il n'avait même pas. Regardé même au foot. Ouais, j'étais à Dalwash, ma grande sœur, elle n'est plus de ce monde, tout ça. Et il y a les amis qui sont venus voir le vieux. Ah, le vieux, ton fils, il est fort, il est comme si, il est lui là. Non. Quittez devant moi. C'est quoi devant moi? C'est ma décision, mon chef. Voilà, c'est pas forcément le vieux. C'est quand, déjà, j'ai dit, bon, on va aller directement au but. T'as gagné, je me suis retrouvé dans les petits tournois, tout ça. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a vu, il dit, mais je suis pitié, trop fort. Et on allait en Suède directement de Gagnoua en ce moment, mais à Abidjan, Je suis retrouvé de Gagnoua à la Suède. Ouais. Au retour maintenant, je suis venu à Abidjan parfois. Jouer dans l'Afrique à Abidjan. Il y avait visa de un mois. Donc je fais 9 mois en Suède. Et le contrat, l'État ne voulait pas. On dit retourne d'abord au pays, puis après tu reviens. Et c'est là, je suis allé à l'Afrique. Pour juste mettre en forme, puis bon. Pour les gens de l'Afrique qui êtes partis jouer à l'étranger, vous n'êtes pas nombreux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est nous les gens de là. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, ben, c'est vrai, bon, la SEC, l'organisation des choses de la SEC, c'est plus professionnel, voilà. Donc, t'as dit quoi? Donc, Africa, tu as dit que nous... Africa, c'est les guerriers, on pense à autre chose, c'est les guerriers. Si nous, les gens, c'est que... Non, sérieux, chez nous, là-bas, c'est les guerriers. Non, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître que c'est la SEC. Faut reconnaître, évidemment. C'est vrai. L'organisation, le centre de formation, ces footballeurs, tout exactement. Ça. Tu vois, mais après, ceux qui sont sortis, il y a Runa, il y a Kolo Touré, tout ça. Bon, c'est l'exemple qu'elle a, donc il faut reconnaître. Nombre de frères et sœurs, Kader. Pardon? Nombre de frères et sœurs. Waouh! Parce que voilà, ici, je vous l'ai fait causer, vous deux là. Waouh! Tu as dit waouh, hein? Okay. Genre 40 ou bien 50? Il a dit waouh 5 non, fois. Non, non, non. 20. Bon, 20. Dans les 20 comme ça. Bon, 20. Oui, disons 20. Ah ouais. Ah bah oui, comme moi. Hein. Bon. Moi, j'ai 20 frères. Faut qu'on veuille. Bah oui, on est tous là. Mais c'est comme ça. C'est aussi. Casier judiciaire. Putain, là, tu peux pas dire vierge, parlez nous sommes. C'est que j'ai fait un truc un jour, mais on en parlera tout à l'heure. Pas chez moi ici, mais peut-être à l'étranger. Voilà, mais on en parlera, on en parlera. Donc, c'est pas vierge. Ici, c'est vierge, mais si vous savez pourquoi on l'a arrêté, vous allez rire. Mais je ne veux pas le dire maintenant. On va pas spoiler. Voilà, on va pas spoiler, on va en parler dans le confessionnal parce que c'est trop marrant.